Prancis menyampaikan sikap soal konflik Ukraina-Rusia di sidang darurat Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Prancis mendesak Rusia menghentikan penyerangan dan segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina. Le président, la Russie poursuit jour après jour son œuvre de destruction en Ukraine. À ses actes brutaux et criminels s'ajoute une rhétorique dangereuse qui alimente davantage les tensions. Vendredi, elle s'est opposée seule à une résolution du Conseil de sécurité coparrainée par 82 États. L'Assemblée générale porte aujourd'hui une responsabilité historique, celle de relayer haut et fort la voix des citoyens qui, sur tous les continents, et y compris en Russie, demandent l'arrêt immédiat de cette guerre et le retrait de l'armée russe du territoire ukrainien. La France soutient les efforts en cours au sein de cette Assemblée pour préparer une résolution demandant à la Russie de mettre un terme à l'agression et de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle appelle tous les États membres de cette Assemblée à voter pour ce texte. Au-delà de l'Ukraine, il s'agit de défendre la charte et la raison d'être des Nations Unies. Soyons clairs, face à l'agression armée contre un peuple, face aux victimes civiles, chaque jour plus nombreuses, face au flot de ceux contraints de tout quitter pour chercher un refuge, nul ne peut détourner le regard. L'abstention n'est pas une option. S'abstenir, c'est consentir à la loi du plus fort. Nous appelons tous les États membres à voter pour la primauté du droit sur la force.